c'est pas possible. Il y a de la ferraille, il y a des choses qui seraient super intéressantes, de beaux clichés, mais limouche à miel aussi. Donc c'est le genre de truc qu'on va éviter, d'accord? On va éviter de tourner, on va pas du tout tourner là-bas, d'accord? Ce qu'on va faire ici, ce sont essentiellement des plantes illustration, d'accord? Donc voilà, attention. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Ouais, très bien. Vous soufflez. Allez, ça bouge là, ça va bouger là. Ah, en toute honnêteté, ça a été un peu chaud. Rentrer dans le personnage et vivre la chose, c'était émouvant pour moi, puisque quand je vois tout ce que les autres ont subi, là maintenant j'ai la chair de poule et je dis chapeau pour les deux, côté occidentaux, côté africain. C'était pas une mince affaire, mais vivre la chose, l'émotion y était, donc c'est fort pour les deux ancêtres. Donc il faut qu'on s'aime plus en plus pour pouvoir fermer ce genre de cicatrices. Allez, ne souris pas, ne souris pas, voilà. Très bien. À vous, au boulot. Enchaîne avec le fouet, ouais. Au voilà. Boulot. Au boulot, j'ai dit. Voilà. N'aie pas peur dans le mouvement, hein, Jean-Marie, quand tu y vas, vas-y, franchement. Allez, bouge là, allez, allez, allez. N'aie pas peur de fouiller, n'aie pas peur de fouiller. Allez, allez, au boulot. Lève-toi. Lève-toi! À ta place, toi! À ta place! Oh là là, il y aurait plein de choses à dire, plein de choses, parce que c'est que du bonheur. C'est un grand moment de partage. C'est éprouvant. On n'a pas l'impression que ça peut être. En fait, on est pris par par l'émotion, par le mouvement, par les cris, par l'ambiance. Et finalement, on y croit vraiment. On a vraiment l'impression d'être dans une scène particulièrement éprouvante et émouvante. Et c'est que du bonheur à la fin. On est très satisfait. J'espère que Peggy aussi sera satisfait. Mais c'est mouillé. Arrêtez. Ah, c'était fort en émotion. Ouais. Ça m'a ramené quelques années en arrière lors du premier tournage avec Bruno de Discool. Mais plus intense, plus poignant. Ouais. Plus à tous les niveaux. Ouais. Et puis le régisseur là qui était en train de nous mater pendant l'épreuve, c'était quelque chose parce que ouais, ça nous a fait réagir comme ça, tu vois. Et là, commence à nous donner des coups. On y était à fond. Mais et de vrai, je me suis même fait, je me suis blessée, je saignais des doigts quoi. Sérieusement. Oui. On a mal aux pieds surtout les pieds. Regarde. Le corps, on n'était pas au point de ce qu'ils ont vécu, nos ancêtres bien sûr, mais on a un peu perçu une petite, une petite once de ce que c'était leur vie quoi. Ouais, c'est clair. C'était émouvant. Émouvant, oui. Et je pense que voir sur l'écran, ce sera encore une autre émotion. Alors du coup, on dit aux gens rendez-vous le 17 et le 18 juin. Oui, rendez-vous le 17 et le 18 juin. C'est le théâtre de Lamantin. Et c'est la fête des pères. Oh, il fallait la sortir, celle-là. Donc mesdames, faites cadeau à vos maris. Faites cadeau à vos maris. Ah, oui. J'avais trouvé la maître. Alors à bientôt. Donc à très 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 bientôt. À très bientôt.